Salut Paris Science! C'est Crassostrea gigas! Mais si, vous savez, l'huître que vous mangez à Noël! Aujourd'hui, je viens vous voir car j'ai un problème. Un gros problème. Bon, en fait non, je suis une huître. Donc forcément, j'en ai pas mal des problèmes. Mais quand j'ai rencontré Elodie, j'ai cru que tout allait changer. C'était la femme de ma vie. Tout a commencé en 2009, à la mer. Je l'ai vue, elle m'a vue, je l'ai vue, et puis on ne s'est plus jamais quitté. Elle voulait me suivre de partout, à la cuisine, aux toilettes, avec mes copines. C'était l'amour passionnel. Et on peut dire qu'on en a passé des nuits ensemble. Elle n'arrêtait pas de parler de moi, à tout le monde, sans arrêt. Mais parfois, elle en faisait quand même un peu trop. Les expérimentations qui suivent ne sont pas homologuées par la science. Merci de ne pas reproduire cela chez vous. Par exemple, croyez-le ou non, mais elle n'hésite pas à m'anesthésier, à me faire passer des scanners. Elle me met des capteurs pour suivre mon rythme cardiaque. Et elle prend un malin plaisir à disséquer tous mes organes. Jusque-là, ça allait. Mais tout a dérapé quand elle m'a inséré de force un thermomètre que j'ai dû garder en moi pendant plusieurs jours. Je l'aimais, mais bon, il y a des limites quand même. Je me suis rebellée et j'ai crié « Liberté! Égalité! Crustacés !» Mais non! Nous, on est des mollusques! Oh là là! Du coup, j'ai pris ma décision. Direction l'océan! Mais je dois dire que ça m'a un peu terrorisée. Elodie m'avait pourtant prévenue. C'était dangereux. Il y avait plein de virus qui pouvaient me rendre malade. Il y avait aussi des algues pas très sympas qui allaient émettre des toxines. Il y avait des microplastiques que j'allais confondre avec ma nourriture. Tout ça dans une eau de mer de plus en plus chaude, avec un pH de plus en plus acide. En plus, là-bas, toutes mes copines étaient parties. Elodie dit que c'est à cause du réchauffement climatique. Elles sont parties chercher de nouveaux endroits pour se reproduire. Et le pire du pire, c'est cette histoire de régime climatique. Il paraît que quand on a des hivers avec des températures chaudes, du vent et de la pluie, eh ben ça peut impacter ma survie l'année suivante. Elle dit aussi que ce genre d'hiver pourrait arriver de plus en plus souvent. Ou un truc dans le genre. Bon, j'avoue, j'ai pas tout compris. Mais après tout, j'ai un QI d'huître. Du coup, je me suis dit, je vais tenter un truc super frais. Mais en fait, ce n'était pas si génial. Et quand j'ai failli y passer, je me suis dit qu'il était temps de rentrer à la maison. Parce que oui, Elodie, elle me fait subir plein de trucs. Mais en même temps, c'est pour mon bien. Enfin, le mien ou celui de mes copines. Elle se sert de moi comme buvard de l'environnement. Parce qu'elle dit que je suis une victime symbolique du climat. Du coup, elle teste mes limites. Oh, c'est chaud ! Et moi, je me sers de ses compétences pour comprendre mon avenir et savoir si nous autres, les petites Crassostrea gigas, on sera encore là dans 200 ans. Ouh là là ! Parce que oui, avec la science, on devient plus fort. Et si je mourrais sûrement sur le champ des expérimentations, ce n'est pas si grave. Parce que d'autres vivront grâce à moi. Ce combat est notre combat. Make our planet great again! Huîtres du monde, unissez-vous! Participent les mains dans les poches. Il y a tous ceux qui participent les mains dans les poches.